Perchée au dernier étage des Nile City Towers, tour jumelle de 25 étages, la jeunesse dorée égyptienne se la coule douce. Au club Tamaraï, les clients claquent l'équivalent d'un mois de salaire moyen égyptien entre deux whisky coca. À quelques kilomètres de là, pas besoin d'avoir un portefeuille bien garni pour danser. À Saïda Zeneb, le quartier historique du Caire, la jeunesse des classes populaires revit l'âge d'or des rave parties. Ce soir, au beau milieu de la rue, plus d'un millier de garçons fêtent le mariage d'un notable de la ville. Platine, DJ Wiza, pionnier de l'électro Shabi, l'électro populaire en VF. Il y a 3 ans, il customise la musique traditionnelle Shabi à coups de BPM fracassant et de freestyle scandé par les rappeurs du quartier. Depuis, Wiza est une star du ghetto. Les médias nous ont toujours ignorés. Ils ne s'intéressaient pas aux gens d'en bas. Personne ne se mettait à notre place. Personne ne nous donnait la parole. On disait toujours, tout va bien, tout le monde est prospère. Il n'y avait pas d'autres infos qui sortaient. De leur point de vue, nous, on n'existe pas. À ces gens-là, je veux dire qu'on est là et qu'ici, il y a des gens bien, avec des valeurs saines, capables de faire de grandes choses. DJ Wiza fait partie de ces millions d'Égyptiens laissés sur le bas-côté sous le régime du président Moubarak. Il a grandi dans l'un des 79 quartiers illégaux du Grand Caire. Confronté dans les années 70 à un exode rural massif, le pouvoir avait alors laissé se développer ces constructions faites de briques et de brocs, où vivent aujourd'hui près de 12 millions de Kairotes. Ce soir, DJ Wiza enquille plusieurs mariages, secondés par les rappeurs Oka et Ortega, ou le crooner Arfouche. Sur ce terrain vague, seuls les garçons sont autorisés à se défouler sur fond de bière et de hashish. Un spring break sans filles. Dans la tête des gens, un quartier populaire, c'est forcément dégueulasse et dangereux. Pour moi, quel que soit l'endroit où tu grandis, il y a toujours du bon et du mauvais. Un jour, il y aura un club qui jouera de la musique, qui rassemble toutes les classes sociales. Les gens d'en haut et les gens d'en bas... Non, c'est pas réaliste. Dans les clubs, tout est une question de standing, et tu le sais. Bien sûr, ici en Égypte, il y a des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit et qui refuseront toujours de se mélanger aux classes populaires. Mais je suis persuadé que ça finira par arriver. Mais ils ne l'accepteront pas. Qui ça? Les gens de la rue, ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce que tu fais et qui seraient prêts à te tuer pour avoir ce que tu as. As we enter, come now we take upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? Pas facile de gommer en quelques mois des décennies de mensonges. Malgré la révolution en 2011, l'Égypte vit toujours dans la peur des quartiers populaires. Dans le ghetto huppé de Katamiya Heights, un lotissement ultra sécurisé, piscine rime avec pyramide. C'est dans ce paradis artificiel pour riches, niché aux portes du désert, que vivent le DJ Ahmed Fami et son acolyte DJ Samba. Unlimited amount to...
Pour moi, l'absence d'éducation et la pauvreté font que les gens se referment et reviennent de plus en plus à la culture religieuse. Ça se traduit par l'avènement de coutumes extrêmes, comme le niqab, la généralisation du voile ou le refus de la mixité. Toutes ces pratiques ne sont que des conséquences de la pauvreté. À 16 ans, DJ Samba signe un pacte avec le vinyle. Fondateur en 2009 du premier label House égyptien, il est aujourd'hui considéré comme le Bob Sinclair du Nil. Un monde qui rêve d'Ibiza et de Miami où ne s'aventurent jamais les habitants du quartier illégal d'Imbaba. Convoité par les promoteurs immobiliers, Imbaba a été investi dès les années 90 par le Jama Islamiya, le mouvement islamiste radical qui a occupé la place laissée vacante par l'État. Loin du tumulte, Islam Chipsi, l'une des étoiles montantes de l'électro-shabi, a installé son QG sur les toits du bidonville, près du pigeonnier de son ami Karam. Ici, il n'y a personne qui vient nous emmerder. Si tu as envie de discuter avec ton pote d'un truc personnel, tu peux le faire. Ici, il n'y a que les pigeons qui peuvent nous entendre. Dieu et les pigeons. Musicien depuis qu'il a 11 ans, Islam Chipsi a inventé une nouvelle manière de jouer du synthétiseur. Né dans une famille pauvre, c'est à sa mère qu'il doit son premier instrument. Ma mère était couturière. Elle faisait des robes de mariée. Elle faisait aussi des robes pour les amis et les sœurs des mariés. Elle mettait tout l'argent qu'elle gagnait de côté pour nous. C'était aussi elle qui nous poussait à économiser. C'est comme ça qu'elle a réussi à marier tous ses fils avant de mourir. Pour Islam Chipsi et son groupe, le travail commence vers midi. Aujourd'hui, ils jouent dans un tesgil. Une semaine avant le mariage, les futurs époux reçoivent les cadeaux qui leur permettront d'emménager dans leur nouvelle maison. Dans les quartiers populaires, le mariage est une obligation religieuse, la condition sine qua non pour vivre avec celle qu'on aime et quitter sa famille. Avec la crise économique et la montée du chômage, les Égyptiens se marient de plus en plus tard. Galères de fric et histoires d'amour contrariées nourrissent les tubes de l'électro-shabi. Les chansons parlent de nos conditions de vie, mais aussi de la drogue, de l'alcool, des petits mensonges au quotidien. En fait, on parle de tous les problèmes de la jeunesse dans les quartiers populaires. Quelques heures plus tard, Islam joue dans un mariage. Sur la piste, les danseurs scandent son nom. Les invités filment la performance avec leur téléphone portable, des vidéos que l'on retrouve quelques jours plus tard sur YouTube, visionnées des centaines de milliers de fois par les fans. Le peuple a appris à dire non. Nous avons tous appris à dire non. Même en tant que musicien, dans notre travail, on a appris à dire non. On joue ce qu'on a envie de jouer. Il n'y a personne pour nous taper sur les doigts ou nous dire comment on doit faire. Maintenant, on fait les choses en toute liberté, comme en Europe, à l'étranger. Avant, on était muselés, opprimés. Mais Dieu soit loué, on en est sortis. Dans les quartiers populaires, les islamistes sont implantés depuis longtemps. Leur credo, réduire la pratique de l'islam à une série d'interdictions et de devoirs. Ne pas vendre et ne pas consommer d'alcool, bannir la mixité, imposer le voile et la prière. Ils contrôlent les quartiers comme celui où Majdi et son batteur Zitouna ont transformé un garage en studio de répétition.
Dès que la caméra tourne, les religieux interviennent. لما يصور واحدة ماشية في الشارع ما أختي مراتي أمي طب أنا ذنبي إيه صح. يصور عيل صغير ماشي مع عمه ليه صح. يصور أمه يجيبها من فوق لتحت واحد زي الأخ ليه Majdi a 20 ans. Suivant la mode lancée par Islam Chipsy, il commence à jouer dans les mariages. Et pour continuer à faire de la musique, il doit faire face aux résistances de son entourage. 6 mois après la mort de mon père, il y a un imam dans notre immeuble qui est venu voir ma mère pour lui dire que jouer de la musique était interdit par la religion. Alors ma mère a détruit mon synthétiseur. Après ça, j'ai beaucoup travaillé et j'ai économisé pour en racheter un. Eux, ils se disaient qu'en cassant mon instrument, ils arriveraient à m'éloigner de la musique. Mais ça a été tout le contraire. DJ Cheta, l'une des plus grandes stars de l'électro-shabby, est comme un poisson dans l'eau dans son quartier de Mataria, dans la banlieue du Caire. On compte ici plus de 500 000 habitants, mais tout le monde semble le connaître. Dans le quartier, il y en a d'autres des stars. Ouais, il y en a plein. Mais comme lui, il n'y en a pas deux. J'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai été serrurier quand j'étais plus jeune, j'étais conducteur de minibus. J'ai aussi travaillé avec mon père, il était chauffeur, je l'accompagnais, je l'aidais. Je travaille depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Tout ce que je gagnais, je le dépensais pour aller en discothèque. J'écoutais la musique et je dansais. Les gens aimaient ce que je faisais. J'étais souple, je tournais sur la tête, j'inventais des pas de danse. Du coup, je me suis fait repérer. On m'a engagé pour venir mettre le feu dans les fêtes. C'est comme ça que j'ai commencé. Ce soir, Cheta joue dans un petit mariage près de chez lui. L'ambiance familiale et la fête en comité restreint donnent une plus grande liberté aux filles. Pour une fois, la mixité devient possible. Cheta est un MC. Au micro, il fait l'éloge des mariés avant d'enchaîner les tubes shabby. Accompagné par son DJ, il n'a besoin ni d'instruments ni de grosses équipes. C'est toujours un peu les mêmes paroles qui reviennent. On parle de ce qui est interdit, fumer du kif, boire de la bière. Ici, on n'a pas peur des autorités. Finalement, on a peur que d'une seule chose, le jour où on se fera choper.